Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour une nouvelle aventure de couture et j'espère que vous allez bien. Je voudrais aussi vous remercier pour vos gentils messages, pour vos abonnements et vos j'aime. Ça me fait toujours très plaisir. Et là, aujourd'hui, je vous propose déjà de réaliser avec moi un patron de couture puisque certaines personnes n'ont pas la possibilité de les imprimer. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez facile, assez rapide. Et peu importe si le patron n'est pas exactement le même, ce qui compte, c'est lorsqu'on le reporte, que le tissu extérieur et intérieur soient toujours de la même taille. Sinon, si les arrondis sont pas tout à fait exacts, ça, vraiment, on s'en fout un petit peu. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Alors, pour commencer, on va prendre une feuille A3 où on colle deux feuilles A4. Hein, on met un petit peu de scotch au milieu, qu'on ait ici cette longueur, donc la feuille est comme ça. Alors, on va déjà la découper à la bonne taille, donc comme ça, ça sera fait. Hauteur 35 cm sur 20 cm. Je vais le noter, que vous puissiez voir. Donc comme ça, 20 cm et comme ça, 35 cm. Voilà, 35 et 20. On découpe déjà notre patron comme ça. Voilà, une fois qu'on a découpé ça, on continue. Là, en haut, on va faire un repère à 8 cm. Ensuite, on fait un repère ici à 26 cm du bas. On part d'ici, on fait un repère à 26 cm. Ensuite, ici, on part de là, on va droit, hein, tout simplement, ici en biais. On fait un repère de 3,5 cm. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On va faire un repère ici du haut sur 18 cm. Ici, 18. On fait à partir des 8 cm ici un repère de 2,5 cm. Ensuite, ici où on a fait les 2,5 cm, on descend, on fait un petit repère d'un centimètre tout simplement. Voilà, maintenant là où on a fait les 1 cm et le premier repère, on fait une petite ligne en biais comme ça. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, ici jusqu'au deuxième repère, il faut faire un arrondi. Et franchement, là, c'est pas très grave l'arrondi, c'est-à-dire comment vous faites l'arrondi. S'il est plus profond ou pas profond, c'est pas grave, hein, si c'est plus arrondi, ça n'aura aucune incidence, comme je disais déjà sur le patron. Ensuite, jusqu'au 18 cm, on va descendre ici, et on va se positionner ici, sur les 18 cm avec la règle. On part ici, là-haut, je vais prendre celui-ci, celle-là, elle est plus petite, elle est plus pratique. On fait un arrondi ici, on passe l'arrondi ici sur les 3,5 cm. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va le découper. On découpe bien sûr ici, là, et l'arrondi ici, et comme ça. Voilà notre patron. Maintenant, on va faire ici les pinces en bas. Les pinces, on va les faire ici sur l'arrondi. Pareil, c'est pas très grave si c'est un tout petit peu plus bas ou plus haut. Hein. Ça n'a pas d'incidence. On se positionne ici, donc sur cet arrondi, comme ça. Et on va faire un repère de 4 cm, ici et ici. Ça sera là que commencera, donc on aura notre triangle. Le repère sur le côté, il fait 4 cm. Ensuite, en hauteur, 4,5. Donc, on se positionne au milieu de nos deux repères, hein, environ. C'est pas, on n'est pas à quelques millimètres près, hein, c'est vraiment pas. Voilà, on tire un trait comme ça.
et l'autre côté. Voilà, et ça va être nos pinces. Et maintenant, il est définitivement prêt. Voilà notre patron. Donc, ce qu'on va faire, alors ici, bien sûr, il faut doubler le tissu, hein. Je vais vous montrer tout de suite comment le reporter pour ceux qui débutent. Surtout, je pense que c'est important. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer, hein, on est d'accord. Je ne vais pas utiliser le tissu blanc, j'utilise juste le tissu que je découpe pour le patronage. Donc, on le plie, le tissu va être plié comme ça. Et le patron va être reporté comme ceci, hein. Voilà. Et on va bien dessiner tout autour, enfin on va bien tracer et on va le découper. Il faudra deux tissus extérieurs et deux tissus intérieurs. Alors moi, par contre, ce que je vous propose de faire en plus, pour ceux qui veulent vraiment, c'est de le plier ici comme ceci, environ, hein. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, hein. C'est de couper ici et d'avoir donc quatre coupons différents ou deux coupons juste devant. Mais d'abord, il faut reporter bien sûr la doublure deux fois. Ensuite, on coupe ici. Par contre, on rajoute 1 cm de marge ici aux deux tissus. Et là, on peut prendre quatre coupons différents pour avoir des deux côtés une espèce de voilà quatre couleurs. Ça peut être très joli et original qu'un seul sac en une seule couture. Je vais découper ça et je reviens vers vous avec les coupons que vous puissiez avoir une idée de ce que je veux dire. Si vous voulez, vous préférez prendre un seul coupon, et bien vous le comment dire, vous le reportez quatre fois. Deux tissus extérieurs et deux doublures. Voilà, moi je le reporte et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Ça c'est fait. Donc le patron, avant de le découper, je l'ai reporté deux fois. Donc il nous faut deux doublures. Pensez-y, vous pouvez bien sûr le faire beaucoup plus grand. Ça ne changera rien aux étapes. Ce tuto, je ne l'ai pas précisé, mais convient bien sûr parfaitement aux débutants. C'est un tuto pour débutants. Il est facile et rapide à réaliser. Alors, on a besoin également d'un coupon de tissu que j'ai découpé directement dans la doublure de 29 sur 18 cm. Ça va nous servir de petite poche quand même. On va mettre quand même une petite poche intérieure. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Voilà. Et maintenant, on va continuer. On va découper le patron pour le reporter sur le tissu extérieur. Et là, je vais vous montrer comment que je vais découper ça. Avant de découper le patron, pensez également à découper l'entoilage. Moi, j'ai pris du H 630. Voilà. Vous pouvez prendre bien sûr plus rigide ou rien. C'est à vous de voir. Donc voilà, j'en ai découpé deux. Et vous pouvez prendre aussi bien sûr de la ouate si vous voulez. Alors le patron, on peut le découper donc comme je disais comme ça au milieu, faire quatre différents morceaux. On peut également le découper en biais comme ceci. On peut faire ça, on peut faire de ce côté-là comme ceci. C'est vraiment comme on a envie et ça va donner un petit peu de style bien sûr au sac. Donc découpez le patron comme vous avez envie. Après vous pouvez le découper aussi en 10 morceaux, hein, sauf qu'il faudra rajouter partout des marges et ça risque d'être difficile si vous débutez en couture de vous retrouver avec les petites chaque petit coupon de tissu. Donc voilà, moi je réfléchis là, je ne sais pas comment que je vais le découper. Je vais peut-être faire ça. Moi je pense que ça a l'air pas mal comme ça. Je laisse un peu ici de marge et là. Donc voilà, je pense que je vais le découper comme ceci. Donc je vais faire une ligne. Il faut que ce soit droit quand même, hein. On va pas découper n'importe comment de travers. Voilà, et je vais découper ici. Et ensuite je reporte ce patron-là. Donc, si vous voulez savoir à quelle hauteur j'ai fait ma découpe, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire exactement la même chose. Donc là, je suis à 5 cm ici. Et là-haut, je peux vous dire aussi à 10 cm. 10 cm, 5 cm. Voilà notre patron. Alors maintenant, quand on va le reporter, je n'ai pas ajouté de marge sur tout le tour, tout ça, j'ai compté les marges dans le patron. Mais là, ici, on va devoir coudre les deux tissus comme ça ensemble.
Donc c'est ici qu'il va falloir ajouter les marges. C'est là où vous allez découper qu'il faudra ajouter des marges des deux côtés. Donc ici, on rajoute des marges, 1 cm, hein, peu importe, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus. Et ici, pareil, 1 cm. Et surtout, il faudra faire attention, bien sûr, que le tissu extérieur garde exactement les mêmes dimensions que notre doublure. Sinon après, quand on va les emboîter, il y aura un petit problème, un petit décalage. Donc ça, c'est important. Maintenant, on va reporter ces deux-là. Alors, je vais vous montrer comment que je vais faire le patron, reporter le patron, puisque je voulais avoir plusieurs couleurs. Finalement, ça va faire 4 couleurs. Vous pouvez faire, bien sûr, comme je disais, toujours différemment. Donc finalement, quand on fait ça, il va nous falloir ici des marges devant pour coudre les deux ensemble et ici également. Donc là, on va reporter le patron. Voilà, je rajoute 1 cm de marge. Voilà, 1 cm ici, 1 cm ici. Et le reste, ben, on reporte normalement. Et je vais le découper tout de suite pour pas m'embrouiller. Parce que j'ai peur de plus me retrouver dans les coupons. Maintenant, je vais faire le deuxième. Je prends une autre couleur. Faire attention à envers et en droit quand même. Hein. C'est important. Et là, je rajoute 1 cm de marge. Voilà, maintenant je vais vous montrer la première partie. Donc c'est le haut du sac. Voilà, et il y aura la deuxième ici. Donc ça, c'est devant ou dos, hein, peu importe. Et maintenant, on va faire dos ou devant, pareil. Ça fait toujours un petit peu plus de boulot, mais c'est joli. Comme ça, les débutants peuvent se faire plaisir aussi et réaliser de jolies choses de cette manière. Voilà, on a ça maintenant. Et maintenant, on va faire la partie basse, celle-ci. Je laisse ces deux-là, c'est pour voir bien comment qu'on va faire le bas maintenant, pour avoir les bons coupons de tissu. Donc ici, le bas, ça va être celui-ci. D'accord ? Il faut qu'il vienne comme ceci. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut laisser les marges ici. Et laisser aussi les marges ici. Ce sera pour le coudre ensemble après. Ici non, puisque de toute façon, là on n'a pas de marge sur tous ces parties-là. Donc ici et ici. Celui-ci maintenant. Donc ça va être avec celui-là. Faites attention, hein, comme je dis toujours, de le mettre du bon côté. Voilà, ma première partie, je sais qu'elle est découpée. Et je vais faire la deuxième. Voilà, le dernier, le supplice se termine. Et maintenant, on va assembler tout ça. On va commencer par coudre comme ça, l'un sur l'autre. Donc, on positionne comme ceci et celui-ci pareil. Une fois que tout est bien épinglé, on va faire les coutures ici, là, ici et ici. Et on se situe bien sûr sur la ligne qu'on a ici, sur la largeur de notre patron. Hein. Alors on n'oublie surtout pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Et une fois qu'on a cousu ça, ce qui convient de faire, c'est d'ouvrir ici les coutures et de passer ici un bon coup de fer à repasser sur la couture. De bien l'ouvrir et un coup de fer à repasser, ça serait quand même super.
laisser la longueur de point classique. Hein. Et sur ma machine classique, c'est 2,4. Ça, c'est cousu. Donc ici, j'ai passé un coup de fer à repasser hein, pour bien ouvrir la couture. Maintenant, on va prendre les deux. On les met l'un sur l'autre comme ceci. On va les épingler. On fait ça avec les deux côtés, bien entendu. Et ensuite, on va passer une couture ici. Maintenant, on coud ici et ici. Pareil, bien, on suit bien les lignes. Une fois qu'on a cousu, ensuite, pareil, on ouvre les coutures. C'est fait. Voilà les coutures bien ouvertes, hein, un coup de fer à repasser dessus. Et maintenant, on va coller l'entoilage. Je n'ai pas enlevé les marges hein, de l'entoilage, je l'ai laissé tel quel. Ça, c'est prêt. Alors, je n'ai pas pensé à vous dire, c'est ici, faire attention, lorsqu'on met les tissus comme ça, l'un sur l'autre, il faut essayer ici que les deux coutures, ici, bien sûr, se rejoignent ici, hein, le triangle, on va dire ici, qu'ils soient bien l'un sur l'autre. Que ce soit pas trop en décalage parce que ça va pas être joli sinon. Voilà, allez, on continue. On va coudre la poche sur la doublure. Donc on va prendre un des coupons de doublure, donc intérieur. On va prendre notre petit coupon de 29 sur 18 cm. Celui-ci, alors c'est pas compliqué, hein, comme ceci. Voilà. On va faire une couture comme ça. Et comme ça, ici, on va laisser une ouverture pour épingler, bien sûr, avant. Donc, une couture comme ça, on le retourne, on passe un coup de fer à repasser et on fait une petite couture ici en haut à 5 mm. Maintenant, on va positionner sur la doublure la poche bien au milieu. On essaie de, voilà, comme ceci. Et on va faire une couture comme ça, ici, sur le bord. Et on renforce ici et ici, lorsqu'on met la main dans la poche, ça évite que ça se déchire ici et que ça se découpe. On épingle un peu, bien sûr, hein, juste avant. C'est parti pour la couture. Ça, c'est fait. On le met de côté. Et maintenant, on va prendre les prochains coupons. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin comme coupons. Deux coupons de 11 sur 8 cm, puisque j'ai pris les deux couleurs du sac. Et plus un petit coupon d'entoilage. J'ai mis sans les marges parce que ben, c'était un reste que j'avais. Donc, avec ou sans marge, c'est la même chose. Deux coupons, pareil, des deux couleurs, 51 sur 5 cm. Et l'entoilage, 51 sur 3 cm. C'est toujours le même entoilage pour le sac principal, donc le H630. Alors, sur ce coupon-là, on va l'arrondir. Voilà, juste un petit arrondi comme ça. Alors, une fois qu'on a arrondi... Ça dépend maintenant lequel que vous voulez devant, le tissu. On va prendre également un bouton. Là, ici, moi, c'est magnétique. Si c'est un bouton pression, vous n'avez pas besoin de le mettre à l'avance. Donc, je vais mettre celui-ci ici. On définit le milieu. On va faire un petit repère pour mettre notre bouton magnétique. À 3 cm. Faut qu'on ait assez de place pour coudre autour, hein. Comme ça, notre bouton magnétique. Et ce qu'on va faire, avant de mettre le disque, le petit disque ici, on va renforcer derrière. Voilà, j'ai pris de l'entoilage un peu plus épais. On met le disque par-dessus. Et on plie les petites dents vers l'intérieur. On met endroit sur endroit. On épingle. Et on va faire une couture ici tout autour, largeur du pied de biche. Maintenant,
celle-ci. On va coller déjà l'entoilage. Et une fois qu'on a collé l'entoilage, on va faire ici un petit pli d'un centimètre. Et l'autre aussi, de l'autre côté, pareil, un centimètre. Il y aura ici l'entoilage au milieu. Celui-ci, pareil, comme ceci et comme ceci, à un centimètre des deux côtés. Et il va venir se positionner sur celui-ci. Et ensuite, on va coudre sur les deux longueurs. Alors, je vais commencer à coudre celui-ci. Voilà, ça c'est cousu, celui-ci, on peut le retourner. Là, je ne crampe pas parce que j'ai vraiment cousu sur le bord, moi, à 5 mm. Alors, on va passer un coup de fer à repasser et on fera une toute petite couture ici, tout autour, pour que ce soit bien, bien joli. Ceux-là sont repassés. Donc voilà, je vous montre. Un côté, j'ai collé l'entoilage et là, il y a le deuxième. Maintenant, on les met comme ça, l'un sur l'autre, donc envers sur envers. On va les épingler. Et là, on va faire deux petites coutures sur le bord, sur toute la longueur, ici et ici. Et sans oublier, ici, tout autour. Voilà, ces deux-là sont cousus. Maintenant, on va placer le deuxième bouton magnétique, si vous avez aussi magnétique. Comme je disais, si c'est pas magnétique, vous pouvez les placer à la fin, hein, si c'est des boutons pression. Donc là, le bouton magnétique, on le place ici à, je vais vous dire ça, à 3,5 cm. Maintenant, on va épingler tous les coins. On les met comme ça, endroit sur endroit, tout simplement. C'est pas compliqué. On va mettre une petite pince et on fera une petite couture ici, largeur du pied de biche. Voilà, maintenant, on va coudre les 8 coins. Voilà, maintenant que ça c'est fait, eh ben, on va les mettre endroit sur endroit. On va coudre, mais lorsqu'on les pose donc endroit sur endroit, on pense surtout à bien mettre couture sur couture. Là, pareil, hein. Ici on a des coutures. Pareil, on place bien couture sur couture. Donc voilà, ici on va coudre tout autour comme ça, mais je vous conseille donc de faire une petite couture où il y a les coutures, où il y a les deux coutures qui se rejoignent. Donc ici, surfiler légèrement, ici, ici et ici. Et puis ensuite, on coud tranquillou tout le tour. Donc là, on va laisser une ouverture. Moi, personnellement, je peux vous dire, vous pouvez en laisser plus hein, si vous hésitez. Moi, je vais laisser 10 cm, ça devrait suffire. Ça c'est fait, celui-ci donc on le coud jusque là et ici, et celui-ci on coud tout autour et on renforce là. Ah oui, j'ai pas précisé, mais là comme c'est quand même ici le tour, on veut que notre sac soit quand même assez solide, donc on laisse quand même un centimètre de marge, ça c'est important. Alors je vais vous montrer, donc pour moi la longueur classique du fil c'est 2,4 et je vais mettre sur 1,5. Voilà, beaucoup plus serré et ça sera beaucoup plus solide. Alors, il y en a qui préfèrent faire l'inverse et augmenter la longueur de fil, et ben simplement parce qu'il part du fait que c'est du tissu beaucoup plus épais. Moi, je préfère réduire pour que ce soit beaucoup plus solide. Ça, c'est cousu. Alors, j'ai quand même ouvert un peu les coutures ici avec le fer à repasser. Ça évite qu'il y ait des faux plis quand je le retourne ensuite. Donc, on le retourne, celui-ci. Il va falloir coudre maintenant la languette dessus. Donc, à savoir qu'elle va être positionnée
Ça va être comme ceci, hein. Donc, il faudra qu'elle soit cousue derrière. Vous voyez, hop, on ouvre, on fait ça. Si on retourne comme ça, on sait qu'on doit la coudre comme ça. Donc là, on va juste passer une couture pour bien le maintenir en place. On prend aussi notre anse et on va bien ici l'épingler comme ceci, bien au milieu de la couture. Hein, on positionne bien la couture au milieu de notre anse. Voilà, maintenant on fait une petite couture ici, ici et ici. C'est fait, maintenant on prend celui-ci et on va le mettre dans la doublure, donc endroit sur endroit, et on fait attention bien sûr à la position de la poche comme ceci, que la poche ici soit bien au dos du sac. Donc la poche va être là où on a précousu, j'allais dire, où je l'ai dit, la languette. Et là on met la couture du côté ici sur l'autre couture. Maintenant, on fait une couture tout autour et 1 cm de marge pour que ce soit bien sûr bien bien solide. Et on peut pareil réduire le point, le mettre à 1,5. En tout cas, le réduire un peu pour qu'il soit plus serré. Ça, c'est cousu. Maintenant, on va le retourner. Puis, ben, comme d'habitude, c'est la surprise du chef. Maintenant, on passe une petite couture ici, on met la doublure à l'intérieur du sac une fois qu'on a fait cette petite couture. On fait une petite couture comme ça tout autour, en laissant les anses bien sûr, enfin l'anse sur la cune comme ça, et la languette comme ceci. Et voilà la doublure cousue. Alors pour coudre le tour, je vais mettre du fil bleu la canette et du fil blanc en haut pour que ce soit plus joli. Et là j'ai laissé la longueur de fil par contre classique hein, pour coudre le tour, pas besoin de serrer le point. Hein. À quelques millimètres du bord, hein, on fait au mieux. Et lorsqu'on coud tout autour, on fait attention que derrière la doublure ne remonte pas lors de la couture. Maintenant fini, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser ce genre de sac. C'est vraiment facile. Si vous débutez en couture, c'est justement un tuto pour débutants, mais les autres bien sûr peuvent aussi réaliser de jolis sacs, hein, même ceux qui sont confirmés. Mais, donc il fait 34 cm sur 29 cm et 4 cm de profondeur. Vous pouvez le faire plus grand, peu importe. Les étapes, de toute façon, resteront les mêmes. Donc, si vous voulez le faire très grand, faites-le très grand. Mais sachez que celui-ci est grand quand même, hein, 34 cm, 29 cm, bien sûr, au plus haut, hein, toujours au plus large et au plus haut. Si vous voulez suivre toutes les nouveautés sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours plaisir. Donc, j'essaie toujours de lire les messages et d'y répondre. Voilà, donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt !